toute cette expérience acquise pendant cette période permettra de rattraper le retard dans la maîtrise des technologies digitales du commerce et ne plus laisser les pure players du web se développer tout seuls. Ce nouveau savoir-faire sera très utile au commerce physique pour l'après-crise, pour regagner leur part de marché perdue. Les commerces locaux ont des atouts structurels fondamentaux pour gagner la course du commerce à distance. D'abord, la proximité, qui permet dans l'absolu, avec quantité de points de vente qui sont assimilables à des points de livraison, à des points logistiques sur le territoire, qui maillent extrêmement bien l'ensemble du territoire, eh bien, l'ensemble de ces points de vente peuvent livrer n'importe quel client du territoire dans un temps record qu'un site de e-commerce pur ne pourra jamais concurrencer. Il suffirait de se mettre d'accord sur un temps de livraison extrêmement court, d'avoir une promesse de rapidité tous ensemble pour le territoire. Puis, le commerce physique de proximité est aussi l'interface rêvée, privilégiée des produits locaux et des services locaux tant plébiscités par les consommateurs aujourd'hui. Enfin, les commerces physiques peuvent faire beaucoup plus que n'importe quel site internet sur l'avant-vente et l'après-vente. Le SAV, la reprise, l'entretien des produits, les retouches, la personnalisation, et j'en passe. Ce sont des choses très importantes au regard des clients, mais très compliquées à mettre en place pour les géants du web, alors que c'est beaucoup plus facile pour les commerçants physiques et l'ensemble des commerçants artisans locaux.